et bienvenue en Pays de Collioure. Alors, je vais vous aider à situer ce coin de paradis et capitale de l'Anchois, sud de la France, département des Pyrénées-Orientales, au sud-est du département, quasiment à la frontière avec l'Espagne. Ici, on est en pays catalan et c'est important, côté français évidemment. On va découvrir une cuisine qui a autant de caractère que l'histoire de la région. En parlant d'histoire, je marche à l'instant sur les magnifiques fortifications qui ont été édifiées par Vauban, l'architecte et ingénieur de Louis XIV au XVIIe siècle. C'est précisément en 1642 que les travaux ordonnés par Vauban modifient les fortifications de la ville, lui donnant sa physionomie actuelle. Le château royal en fait partie. Construit sur le site d'un ancien castrum romain, Vauban y fera élever l'enceinte extérieure et les glacis au XVIIe siècle. Classé monument historique depuis 1922, il trône fièrement au cœur du village et peut se visiter de mai à octobre. Autre monument emblématique de ce petit port catalan, l'église Notre-Dame-des-Anges, baignant dans la Méditerranée, dont le clocher construit au Moyen-Âge servait initialement de fanal pour guider les bateaux. Et pour revenir à la cuisine, je peux vous dire que le menu va être original et varié, entre terre et mer pour résumer, avec un lapin aux gambas et aux amandes, un plat avec une mijotée de légumes et des anchois évidemment, et enfin un dessert que moi je ne connaissais pas en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, le bras de gitan. Mystère! Et maintenant, je vous emmène aux Templiers. Alors, les Templiers, comme vous le savez probablement, c'était un ordre religieux et militaire qui a été fondé au XIIe siècle et qui a participé aux guerres de religion, aux croisades et aussi à la Reconquista espagnole, la reconquête. C'était en fait la reconquête de l'Espagne par les catholiques qui ont goûté, on peut dire, les morts, les Arabes, hors de l'Espagne. Alors, ça, c'est pour la partie historique, mais ici, les Templiers, c'est surtout un café, hôtel, restaurant mythique, une institution qui a vu défiler parmi les plus grands peintres de notre siècle et dont l'histoire se confond avec celle de Collioure. J'y rejoins Henri, cousin du propriétaire. À peine entré, surgissent ces couleurs qui ont révolutionné l'histoire de la peinture avec l'apparition du fauvisme. C'est en effet au début du XXe siècle qu'attirés par les paysages, les couleurs et surtout les lumières de Collioure, les disciples de Matisse sont venus s'y installer. Mais c'est impressionnant cet endroit, c'est un vrai musée. Ben oui, il y en a beaucoup, puis il y en a dans tout l'immeuble jusqu'en gros, dans les chambres, il y en a partout, oui. Alors, en quoi l'histoire des peintres et de la peinture moderne se mêle avec celle de Collioure? Ben, Collioure, maintenant, a une place un peu privilégiée dans l'histoire de l'art. Quoi. Ça, c'est essentiellement en 1905, après le séjour de Matisse et de Rennes à Collioure. Et après, tous les grands artistes de cette époque-là sont pratiquement tous passés à Collioure. Les toiles qui sont au mur, qui sont très belles au demeurant, sont quand même pas des Matisse et des Derain. Non, hélas, des Matisse et de Derain, il n'y en a pas beaucoup à Collioure, parce que, ben, tout simplement parce que ça vaut une fortune. Et quelle place a tenu cette auberge, justement, dans le développement de la peinture? Parce qu'elle existait du temps de Matisse et de Derain? Non. Pas 1905, non, ça s'est fait plus tard. Mon oncle et ma tante, donc en fait, René et Pauline Pousse, ont créé l'hôtellerie des Templiers. Bon, Pauline Pousse était déjà cuisinière, elle était cuisinière à domicile. Beaucoup de liens d'amitié qui se sont créés avec tous ces artistes qui venaient à Collioure et qui ont pris l'habitude de venir aux Templiers parce que, bon, voilà. Ils devaient les faire à peine payer ou un échange oui, de bons procédés, quoi. Mais c'était même pas des échanges, c'était vraiment une amitié entre les uns et les autres. Alors, on vient ici pour connaître l'histoire, justement, des peintres à Collioure, mais on vient ici aussi pour manger des spécialités locales. Ça, c'est du pain de tomate avec... Comment vous dites ? Pain de tomate. C'est du pain frotté à la tomate et il y a un peu d'ail, j'imagine, non ? Quand même un petit peu, puis un petit peu d'huile, quand même, bien sûr. Et ça, c'est le jambon aussi local ? Du jambon serrano. C'est un peu des tapas, quoi. C'est la tradition espagnole, non ? Le pain de tomate, c'est sûr que c'est espagnol. Pain de tomaquette, c'est catalan. Non, il y a les deux. Pain de tomaquette. Ici, la vraie spécialité collioraine, c'est l'anchois de Collioure. Il y avait des poivrons donc, qui sont rôtis au four. Ah, d'accord. Et de l'œuf dur. C'est vraiment une assiette méditerranéenne, hein ? Très méditerranéenne. Et très collioraine, j'insiste. Et je dirais même plus, elle est presque fauviste, parce que franchement, quand on voit les couleurs, c'est beau en plus. Hein, en on dirait plus, un tableau. Beau. C'est appétissant, c'est agréable à voir, et c'est bon. Et à qui le dites-vous? C'est tellement appétissant que je vais picorer, tu sais. Et par contre, ça donne soif, donc en principe, il faut boire quelque chose avec. Ça. Mais en tout cas, c'est un lieu qui est chargé de plein de choses, d'histoire, d'émotions, d'art. C'est vraiment impressionnant. Et de quoi manger et boire aussi. Et de quoi manger et boire. Eh oui, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était passionnant. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
C'est dans l'un des derniers temples du poisson bleu que je me rends maintenant, rencontrer Guy Roc, qui entretient le métier de saleur d'anchois, comme le faisait déjà son grand-père, établi à Collioure en 1870. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes madame Roc? Oui, Marie Roc. La célèbre propriétaire de la maison alors? Maintenant, c'est les enfants les propriétaires. C'est vrai. Mais vous êtes toujours là, vous travaillez encore. Ah oui, on les aide, c'est notre vie. Hein. Et où est-ce que je peux le rencontrer, Guy, alors? Alors, vous allez le rencontrer à côté, en train d'arranger. Bonjour, Guy. Ah, c'est Julie. Hein. Eh oui. Bonjour, Guy. Enchantée. Moi aussi, je suis ravie de vous rencontrer. Oui. Elle est étonnante, cette maison, parce que vous êtes située dans un petit coin, faut vous trouver. Hein. Vous êtes planqué. Bon, on est sur le passage, quand même. Oui, sur le passage. C'est pas devant le port. Non. Il faut dire que c'était pas forcément destiné à attirer les touristes au départ. C'est très local. C'est local, hein, surtout, oui. Pour comprendre, voir le travail de l'anchois que l'on fait depuis 1870, il vaut mieux monter à l'atelier. D'accord, je monte. Oui. Très bien. Alors ça, c'est donc l'atelier de transformation. Là, voilà Ghislaine, qui est la spécialiste. Bonjour Ghislaine, bonjour. Donc en fait, vous levez les filets d'anchois. Voilà, je suis une fileteuse, j'enlève c'est les filets. Ça s'appelle comme ça? Oui, fileteuse. C'est un métier, fileteuse. Oui, alors on enlève l'arête dorsale là, on la retire, ça fait un petit creux. Et c'est à ce niveau qu'on passe les doigts en fait, pour séparer, en essayant de ne pas casser le filet, le premier filet de l'arête centrale. Nous les recevons frais, frais, glacés, dans des caissettes de bois. Et ils sont alors décaissés, salés. Et l'anchois, avec son jus, fait sa propre sommière. Et donc là, il reste dans ce premier sel combien de temps? Il peut rester au froid un mois, s'il y a de fortes pêches, vous voyez. Alors, c'est la seconde opération. D'accord. Il est été éviscéré à la main, bien sûr. Tout est fait à la main. Voilà, et là, il est salé. On attend minimum 3 mois de maturation. C'est dans qu'il prenne quoi, son goût? Voilà, c'est dans le sel qu'il prend sa couleur, son goût et son parfum. Il s'affine en fait. Voilà, il mûrit, on dit, dans D'accord, le sel. Il mûrit. Le travail que Ghislaine est en train de faire, il intervient après le deuxième salage, donc de 3 mois. Oui. Et c'est à ce moment-là que, après avoir été viscéré et têté, on les filette. Voilà, oui. J'ai compris. Si vous voulez essayer vous-même. Fileter les anchois? Avec plaisir. Je me mets à côté de vous. Alors, dites-moi tout. Le dos vers vous. Le dos, il est c'est où là. Déjà c'est ça, c'est le ventre. D'accord, excusez-moi. Le dos vers moi, comme voilà. ça. Alors, on lève l'arête dorsale. Alors, elle est là. Voilà, on la pince comme ça. On la pince et on essaie de la retirer. Et on la retire, ça y est. Ça fait un petit creux. Ça fait un petit creux. Là, on passe les doigts. On passe les doigts. Ah, là, j'essaye de le retrouver, mon petit creux, d'accord. C'est pas facile, hein? En fait, il faut y aller d'un coup sec, en fait. D'accord. Je pense que je vais mettre à peu près 3 minutes pour faire quelque chose que vous faites en 3 secondes. Voilà. Et ensuite, l'autre côté aussi. Voilà, jusqu'au bout. Ah oui, ça se tient. En fait, c'est grâce au sel, comme il a perdu son eau, du coup, on le filette plus facilement. On enlève l'arête centrale. On enlève l'arête centrale. En essayant de ne pas le casser. Et là, on le pose. Dites donc, c'est un travail extrêmement méticuleux. Vous voyez, la preuve, c'est que je ne l'ai pas mis en fait. Je mets la tête du même côté. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, c'est juste... Parce que vous aimez le travail bien fini. Voilà. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça fera 22 ans, le 4 octobre. Ça conserve l'anchois. Vous faites des dégustations pour les clients? Oui. Je pourrais déguster, moi aussi? Oui, mais sans problème. C'est un produit que j'adore. Le temple de l'anchois, ça me touche beaucoup. Il faut déguster. Merci, Ghislaine. Oui. Avec plaisir. Bon courage, il vous en reste combien de millions à faire? À 5 heures, j'arrête, qu'il en reste pas. Voilà. Ça y est, c'est fait. Voilà. Alors, voilà les anchois au sel,
C'est un produit qui existe depuis la nuit des temps, hein, à Collioure. Oui, les Romains, les premiers, ont fait le fameux garum, qui était un condiment qui était l'ancêtre du gnocchmam. Oui, aussi. C'était très prisé, en fait. Oui. Et donc vous, ça c'est le produit, comment dit-on, Collioure. Hein. Traditionnel. Oui, quand on l'achète dans le commerce, l'anchois au sel notamment, on trouve ça un peu cher. Oui. Mais maintenant que j'ai vu le travail que ça demande... Bien sûr, il y a 50% de main d'œuvre dans le produit fini. Et du coup, ça donne envie de payer un peu plus cher pour entretenir ce métier. Voilà, mais en plus, on a la qualité. C'est vrai. Et vous pouvez les déguster d'abord. Hein. Ah. Alors, vous avez les traditionnels avec poivron, huile, huile vinaigre, poivron. D'accord. Alors, il faut commencer plutôt par le vinaigre ou par le sel ? Il vaudrait mieux par le vinaigre. C'est plus doux. Plus doux, oui. D'accord. Et ça, c'est quoi ? C'est du poivron ? C'est du poivron. Qu'est-ce que c'est bon ? Oh là là. J'adore ça, mais ils sont particulièrement bons. Oui. Parce qu'ils ne sont pas trop vinaigrés. Ah non. C'est le juste dosage. Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est le traditionnel, oui. Toujours associé au poivron. Voilà, oui. Mais c'est du poivron, c'est du piquillos. Non, c'est du poivron. Hein, poivron l'adouci, oui. Ça, c'est plus relevé. Hein, oui. Oh là là. Ça, c'est drôle parce que c'est le même produit. Oui. Et en goût... C'est le même poisson, mais c'est très différent. Très différent, vraiment. Ça va avec tout, quoi. Ça va avec tout. Ça va surtout avec la gourmandise et avec les métiers. Ah oui, avec tout. Eh bien, vous savez quoi, vous m'avez convaincu. Je prends tout. Voilà. Je quitte la salaison de Marie et Guy pour remonter l'histoire de ce fameux anchois. Direction Port-Vendres, au sud de Collioure, où se passe aujourd'hui l'essentiel de la pêche. On y trouve le dernier chalutier des environs et c'est justement son propriétaire que l'on va rencontrer, Gabriel Diaz, pêcheur comme son père et son grand-père. Ce qui est amusant, c'est que les gens attendent sur le quai la débarque du poisson, parce qu'en fait, on vient acheter le poisson au cul du bateau, comme on dit. Il n'y a pas de criée. C'est direct du pêcheur au consommateur. Il y a les mouettes aussi qui viennent s'approvisionner. Hein. Je peux monter ? Allez-y. Merci. Non. Bonjour, c'est vous, Gabriel ? Ouais, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, ça va bien, et vous ? Voilà. Ça va, ça s'est bien passé ? Oh, pas trop aujourd'hui, non. Ah bon, mauvais temps. Mauvais temps, c'est pas très favorable à la pêche, ça. Et l'anchois, il était pas rendez-vous aujourd'hui. Ah ouais, il aime bien, il est méditerranéen, lui, hein. Ah ouais, il aime bien quand il fait beau. Vous partez à quelle heure ? On part à 3h du matin. 3h du matin et vous revenez là maintenant. Là, il est quoi ? Vous partez 12h, oui, en fait. On partait 12h. Oui, c'est dur quand même, non, comme ça, métier. Ça fait pas mal d'heures. Ouais. Et vous faites ça depuis combien d'années ? Une trentaine d'années, ça fait. Ah ouais, vous êtes... J'ai commencé, j'étais le plus jeune, et maintenant je suis le plus vieux et le dernier, je suis resté. Et le dernier, surtout, c'est ça. Vous faites votre entrée sur scène, là, un peu, hein. Vous descendez le tapis rouge, vous êtes acclamé par la foule. On n'est pas calme, mais presque. Vous voulez que je vous aide ? Allez, si vous voulez. Je vais où, Gabriel ? Ben, à la boutique, là-bas. La boutique, c'est la petite maison en bois, hein ? La petite maison de la prairie. D'accord. C'est l'épouse de Gabriel qui, chaque jour à 16h, accueille les clients fidèles au rendez-vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça va ? Ah ouais. Alors vous êtes Maria José. Oh, c'est joli. Et voilà, oui, j'avais pas mis les... 1 kilo. Voilà, 3 choses. Et Gabriel, vous voulez que je vous aide ? Allez, si vous voulez, allez. Dites-moi ce que vous voulez, madame. Et 3 choses. Du merlan. Du merlan, combien ? Petit, une dizaine. Ah oui, quand même, vous êtes nombreux dans la famille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien ? Alors, 1 kilo. Des moyens comme ça. 930. Alors, ça fait 8,30 €. 8,30 €. 8,30 €. Vous avez un succès fou. Mais ils sont bien habitués. Là, j'ai vos anchois, là, pour... Ah, je veux bien. Alors, il m'en faut 1,8 kg. Qu'est-ce qu'il faut, là ? Il y en a un peu plus, je veux. Ça ira. Il n'y en a jamais trop. On les fera à l'apéro, à la culture. Ouais, je pense qu'il y en a 2 kilos. À bord. C'est parfait. Allez, ça marche.
Merci. Voilà. Eh ben, on se verra pour les déguster peut-être. Ah, sûrement. Ouais. Eh, sûrement. Allez, pourquoi pas. La piñata. Allez. Et merci et surtout continuez d'entretenir ce beau métier. Hein. On essaye. On dit que les poissons sont en voie de disparition. En fait, c'est les pêcheurs surtout. C'est surtout vous. Au revoir, Marie-Rosée. D'aller comme ça sur le port à la rencontre des pêcheurs, au retour de la pêche, de monter sur le bateau. Mais ce qui est inquiétant, en revanche, c'est de voir que, où que j'aille en France, tous les pêcheurs tiennent le même discours, font le même constat qui reflète une réalité, c'est qu'il n'y a pas de relève. Voilà, les nouvelles générations n'ont pas envie de se frotter à ce métier qui est si rude, si contraignant, qui hypothèque la vie de famille, qui n'est pas forcément non plus très rentable. Et du coup, on s'inquiète de la raréfaction du poisson, à juste raison d'ailleurs, de la surpêche, mais il y a aussi une raréfaction des pêcheurs. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on ne sait pas si nos enfants vont manger du poisson sauvage. Bon, en attendant, nous, on a nos anchois pour la piñata. Pendant ce temps, la tempête continue de se déchaîner. Décidément, j'aurais de la région une image loin des clichés, mais révélatrice de son fort caractère. Nous voilà chez Raymond, à Banyuls-sur-Mer. On a les anchois et elle va nous les préparer selon une recette, paraît-il, traditionnelle des pêcheurs, justement la piñata. Je n'en ai jamais entendu parler, mais j'ai vraiment hâte de goûter. Bonjour Raymond. Vous allez bien? Ça va. Et vous? Ouais, ça va. Je rentre, je m'abrite, hein, en oui, fait. Oui, oui. C'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, il fait mauvais. Hein. Oh, dis donc, ouais. Bah, ça a commencé quand le bateau est rentré au port, d'ailleurs. Ah, oui. La tempête a commencé. En parlant de bateau, tenez. Ah oui. Vos petits anchois. C'est ce que vous m'aviez demandé, oui, hein? Oui, oui, c'est ce que j'ai demandé. 2 kilos. Voilà la cuisine. Ah, elle est bien jolie. On sent que vous y passez du temps dans cette cuisine, ah, non oui. Quand je suis venue, on m'a dit, tu vas voir, c'est la région la plus ensoleillée de France. Oui, oui, jusqu'à maintenant. Et entre-temps, ça a changé, alors. Hein. Ah oui, cette semaine, ça a été... Et c'est ça, c'est le bord de mer, on ne contrôle pas. Oui. Bon, je m'installe. Hein. Oui, oui, allez-y. Alors, racontez-moi un peu. Qu'est-ce que c'est cette recette, la piñata? Eh bien, c'est une vieille recette que les pêcheurs faisaient... À la... Quand ils étaient sur le bateau. Et enfin, c'est vrai que les anchois, c'est le poisson le moins cher. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils le gardaient pour eux. À l'époque, ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, il est pas si c'est cher. Un peu plus... Ouais. Il est plus cher. Il est plus cher. Mais tous les poissons sont chers maintenant. Ah, mais oui, maintenant, oui. Plus ou moins, mais... Alors, dites-moi, je m'attache les cheveux comme ça, j'en mets pas dans les anchois. Comme ça, l'anchois, elles sont petites. On coupe la tête, hein, et vous avez tout qui sort. Ah, vous les éviscérez, en fait, on pour les éviscère, tirer... Oui. Tout l'intérieur, mais d'un coup qui est entraîné par la tête. Oui, oui. J'ai compris. Et dites-nous, il faut faire ça sur tous les 2 kilos d'anchois, là? Oui. Et c'est pas évident, hein, vous allez beaucoup plus vite que moi. Remarquez, c'est un peu normal. Des années de pratique. Les anchois étêtés sont ensuite rincés, puis réservés. Nous pouvons débuter la garniture aromatique. Alors, on pèle l'ail, c'est ça? Oui, on va peler l'ail. Alors là... Là, j'ai une question à vous poser. Oui. Je n'ai jamais vu des gousses d'ail en chemise, dans leur peau, plongées dans l'eau. À quoi ça sert? Alors, ça sert que pour l'éplucher, ça va plus vite. Mais non. Oui. Sans blague. Ah, bah alors là, j'aurais appris quelque chose. C'est vrai que ça part beaucoup plus facilement, vous avez raison. Ça, j'avais pas pensé. Et alors, vous, vous avez cuisiné toute votre vie, mais vous continuez de cuisiner maintenant que vous êtes à la retraite. Ça vous plaît? Oui. Et puis, comme on fait beaucoup de fêtes, on fait des repas comme c'est ça. Vrai. Faites des fêtes à quelle occasion? Sur la plage. Nous, on fait partie d'une association. C'est une association qui... C'est le Fomène de la Sardane. Et Sardane, ça veut dire quoi? Sardane, c'est la danse. La danse de quoi? D'ici. Oh, pardon, oh là là, je savais de la pas, Catalogne. Aïe, aïe, aïe. Oh, je connaissais pas la Sardane. Vous connaissiez pas? Eh non, 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 non. Mais vous savez, en même temps, il n'y a pas beaucoup de traditions catalanes qui sont connues dans le reste de la France, hein. Regardez-moi, c'est la première fois que je viens dans une région, je connais aucun des plats que je vais faire. On va commencer. Je me mets le tablier. Allez. Bon, allez. Dites-moi. Je vais prendre du sagi. Du sagi? Du larance, on dit. Ah, du larance, vous appelez ça sagi ici? Sagi, nous, on parle. Et c'est étonnant, c'est comme ça, roulé? C'est roulé et salé. J'ai jamais vu ça. Je vais frotter. Et après ce morceau, je le laisserai dedans pour que ça donne du goût. Ah, d'accord. Nous faisons revenir le sofregite.
garniture aromatique essentielle à la cuisine catalane, principalement constituée d'huile d'olive, d'ail et de poivron. Oh, on va mettre tout. Allez hop, soyons voilà. Pas chiches. Ouais. Et les patates là, c'est pour nous? Les patates, oui, on va les éplucher. Ah ben je vais le faire alors. Voilà. Les pommes de terre, c'est plutôt des pommes de terre à chair tendre? Ou à chair ferme? Des vieilles. Des vieilles, donc riches en amidon. Ouais. Mais il n'y a plus de pommes de terre vieilles aujourd'hui. Il faut les faire vieillir à la maison. Hein. Ah oui. Parce que sur les marchés, c'est difficile. Ça, c'est des binges, ça, c'est. D'accord. J'aime bien à frites, parce que... quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Je les recoupe? On les coupe en grosses tranches. En grosses tranches, d'accord. Ça me se crame pas. Ça y est, c'est un peu fondu, là. Ah oui, c'est même bien rissolé, hein. Ouais. Oh là là là, j'adore ça. Ça commence à sentir bon, hein. On ajoute maintenant les tomates pelées, les crabes, auxquels on aura retiré les pâtes, et de l'eau à hauteur. Nous assaisonnons, puis couvrons pour laisser cuire à petit bouillon avant d'ajouter les pommes de terre. Je les mets comme ça direct? Oui, on va les arranger après. Les arranger. Elles s'arrangeront toutes seules. C'est ça. Et là, on laisse cuire au moins bon, 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Avant de rajouter les anchois. Avant de rajouter les anchois. Je vais noter pendant ce temps-là la recette, Raymond. Si vous voulez bien. Y. Ouais. A-T-A. A-T-A. D'anchois. Eh non, de Raymond. Pour la piñata de Raymond, voilà ce qu'il vous faut. 1,8 kg d'anchois frais, 400 g de petits crabes, 1,2 kg de pommes de terre type pinch, 3 tomates, un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert, une tête d'ail, du lard rance éventuellement, de l'huile d'olive et de belles tranches de pain de campagne. Donc là, en fait, on dépose l'anchois très délicatement sur le dessus, qui est en suspension un peu, hein, sur les pommes de terre et tout ça. Vous éteignez tout de suite et vous couvrez. 5 minutes, on va les faire cuire, mais... On laisse ainsi l'anchois cuire environ 5 minutes. Pendant ce temps, Raymond réalise la dernière étape de sa recette en frottant généreusement à l'ail des toasts de pain de campagne. La piñata se dégustant traditionnellement ainsi. Hop. Allez-y, attendez, je reprends quelques anchois. Est-ce que ça sent bon? Hop. C'est délicieux, vraiment délicieux. C'est très fin. Et le crabe, il donne vraiment son goût bouillon. Hein. Ah oui, parce que sans ça, bon, ce serait un peu fade. Hein. Et alors après, le pain en plus frotté à l'ail, je redécouvre la saveur de l'anchois frais. Bon, Raymond, à moins que vous ayez envie d'organiser une fête avec vos copains, moi, je vous propose de rencontrer les miens. On d'accord. Va se retrouver demain au domaine de Valcroze, c'est pas très loin. Non, non, non. On va faire un grand banquet et on va célébrer les traditions culinaires locales. Et ça me ferait plaisir que vous soyez là. Très bien. Allez, chin. À la Catalogne. À la Catalogne. Du sud et du nord. Les deux. Comme vous le savez, on s'intéresse au patrimoine dans les carnets de Julie. Et moi, je voudrais découvrir avec vous un patrimoine qui est tout aussi matériel que la cuisine. Il s'agit des bateaux de pêche traditionnels, les barques catalanes exactement, qui étaient utilisées ici pour pêcher à peu près jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et après, il y a eu tout simplement une poignée de passionnés qui ont décidé de les rénover. Et nous, on va rencontrer l'un d'eux qui d'ailleurs dirige l'atelier. Bonjour. Vous êtes Samuel. Oui, oui, bonjour, enchanté. Samuel. C'est ici qu'on rénove ces fameuses barques. Tout à fait, oui, oui. On travaille sur d'antiques bateaux de pêche, des barques typiques du littoral catalan et qu'on restaure aujourd'hui, comme celles qu'on peut voir dans l'atelier actuellement. Donc c'est merveilleux, mais on a du mal à croire que ce soit des anciens bateaux, elle a l'air neuve. Oui, il y a un important travail de restauration qui est fait dessus, hein, qui est quasiment de la reconstruction. Vous les désossez complètement? On les désosse et petit à petit, on refait toutes les pièces à l'identique. Celle-ci, par exemple, elle date de quelle époque? Alors, celle-ci, elle date du début du XXe siècle, 1904 exactement, hein, pour l'année de construction. Et ces barques, ensuite, une fois qu'elles sont rénovées, où vont-elles? Elles sont exposées? On peut les... Alors, non. L'objet est de leur redonner vie. Alors, ces bateaux ne vont pas repartir à la pêche, mais par contre, ils vont être confiés à des associations pour naviguer à nouveau. En fait, c'est tout un ensemble culturel et patrimonial qu'on sauvegarde.
J'ai le privilège de bénéficier des éclairages de Samuel, intarissable sur l'histoire de ces embarcations traditionnelles, caractérisées par leur voile latine et utilisées pour pêcher au filet la sardine et l'anchois. À la fin du 19e siècle, Collioure comptait encore 150 de ces embarcations, servies par 700 marins. Aujourd'hui, elles ont été remplacées par les chaluts. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'elles sont pointues des deux côtés. Oui, ces barques sont pointues de côté, c'est une particularité des bateaux méditerranéens. Et c'est ce qui leur permet de bien passer dans la houle de la Méditerranée où on a des vagues très rapprochées. Bonjour. Allez. Bonjour. C'est un drôle de joujou quand même. Hein. Ouais, c'est un drôle de joujou. C'est pas tellement facile ni à stocker, ni à rénover. Non, mais c'est une passion. C'est une passion, voilà. Ça s'explique. C'est une grande passion qui vient de mon grand-père, de mon père. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Alors, ah ouais. Eux, pour le coup, étaient pêcheurs, ils étaient propriétaires de barques. Mon grand-père avait un bateau de pêche. Après, mon père achetait un chalutier. Ça fait que moi, j'étais bercé. Par la houle. Par la houle, oui, voilà, bien. Mais vous n'avez jamais choisi ce métier, le métier de pêcheur. Moi, j'ai pas été pêcheur, moi. Mais j'ai gardé cette passion des bateaux. L'atelier de restauration met à disposition tous les moyens techniques pour les associations et passionnés de la région. Alain en est un, qui partage ses journées en deux pour s'adonner pleinement à son chantier. Vous vous levez à 4h du matin pour aller bosser, et vous revenez ici après pour... Ah, vous êtes vraiment un passionné, vous, hein. Moi, j'irai dormir, mais ah ouais, mais voilà, mais moi, je suis pas dormeur, moi. Ah bah, alors, tant mieux pour vous, hein. Non, et alors, mais... ce bateau, une fois qu'il sera rénové, donc vous allez aller en mer un peu avec? Oui, bien c'est sûr. Le but? Ah bah, c'est le but. Hein. Quand est-ce que vous peignez? Ah, pourquoi vous viendrez? Bah pourquoi pas? Ça dépend un peu de la météo, là. Hein. Non, mais ça ne peut pas te sécher, là. Aujourd'hui, c'est pas de chance. Hein. Ouais, pas de chance aujourd'hui, mais ouais, bon. Mais en général, il fait beau ici. J'ai pas voulu le dire, hein, parce qu'après, on va dire qu'on est chauvin. Ouais, on ne croit pas. Bah merci, voilà. Bon courage, alors. Eh bien, c'est avec plaisir. Bon, bah merci, Samuel. Merci à vous, merci de votre visite. Et puis, bravo pour votre initiative. Hein. Finalement, on a un peu la même ambition, c'est de préserver le patrimoine. Oui, oui. C'est oui. Ça. Hein. Un jour, on se prend une bonne bouffe sur un bateau, comme ça, on va réunir les énergies et les passions. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au bec sucré comme moi, puisqu'on va préparer un dessert éminemment local évidemment, qui s'appelle le bras de gitan. Alors je ne sais pas si ça a grand chose à voir avec les gitans, si ce n'est que le dessert est tatoué, paraît-il, au fer rouge. Alors c'est sans doute de là que vient son appellation. Et nous, on va le préparer à Banyuls avec un pâtissier à la retraite. Cette pâtisserie est très populaire, originellement confectionnée à la maison pour les grandes occasions. À l'époque, pas de repas de famille, pas de pèlerinage, pas de tuates de cochon ou de 15 août sans bras de gitan. C'est étonnant cette maison. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc c'est pas facile de vous trouver, hein? Ah non. Vous êtes bien planqué là, dans la vallée. Ben ça a été choisi pour. Hein. Et c'est vous qui l'avez construite? Non, c'est mon père. Hein. Mon Votre père, papa. Pendant sa retraite, hein. Il a bâti ça comme il faisait les pièces montées, si vous voulez. Il a... Non, c'est ouais, vrai. Oui, ouais, tout à fait. Oui, parce qu'il n'était pas du tout maçon. Hein. Son père, architecte du goût, lui a transmis tout son savoir-faire et ses secrets que, justement, je vais avoir le privilège de découvrir. Alors, il consiste en quoi, ce gâteau? C'est une génoise garnie de crème pâtissière qu'on roule dans le biscuit, on met du sucre glace et on marque au fer. Ah, ça, c'est vraiment ce qui fait la caractéristique du gâteau, c'est le voilà. Marquage. Oui. Alors, on le prépare? Allez, on va essayer. Je vais vous aider. On va casser 3 œufs. Mais on les met entiers? On va les mettre, oui, comme d'accord. Ça. D'accord. Et ensuite, on va faire 2 jaunes. 3 œufs entiers et 2 jaunes. Voilà. C'est pour amener un peu plus de moelleux au biscuit, en fait, hein, pour mettre le sucre. Là, il y a 125 grammes de sucre. Mm-hmm. Ah, et vous allez mettre ça sur le feu. Voilà. Et je vais le tiédir jusqu'à environ 40 degrés. Alors,
Alors à quoi ça sert d'ailleurs de porter les œufs sur le feu? La première chose, c'est fondre le sucre. Oui. Ensuite, c'est coaguler et jauner le blanc. C'est une pré-cuisson en fait. Voilà. Nous passons la préparation au robot afin de blanchir les œufs, puis ajoutons quelques gouttes de vanille qui parfumeront le biscuit. Une fois que cela mousse et que la cuve a bien refroidi, la cuve chaude favoriserait l'apparition de grumeaux, nous incorporons 60 g de farine mélangée à 60 g de fécule pour plus de légèreté. C'est ensuite à l'aide d'une poche à douille que l'on couche la génoise de façon bien régulière pour une cuisson homogène. Ah, il y a de la technique, hein. Je ne fais pas comme ça chez moi, hein. Je le mets à un four très chaud, thermostat 8 à peu près, je pense, 240. Ah oui, carrément. Il faut qu'il soit saisi, donc une cuisson courte alors. Voilà. Combien de temps? Je vais tout savoir. 5 minutes, je surveille. Oui, d'accord. Mais je surveille. On peut démarrer la cuisson de la crème. Pour la préparation de la crème pâtissière, nous mélangeons un demi-litre de lait à 100 g de sucre et une gousse de vanille fendue que nous portons à ébullition. D'un autre côté, nous aurons auparavant clarifié 4 œufs et ajouté de l'amidon pour épaissir la crème. Alors, il faut... Enlever la génoise ? Ah oui, d'accord, oui, parce qu'elle commence à dorer. Ah oui. Nous la laissons refroidir puisqu'il est préférable de garnir la génoise à froid afin qu'elle ne craquelle pas. Ah oui, ça dépend des fours. Pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, il vaut mieux les garnir froides. Vous parlez pour moi, là ? Non, pas du tout. Le petit plus de la recette familiale, on ajoute un bouchon de chartreuse pour en parfumer et relever le goût. C'est bon. C'est oui, dis donc, la chartreuse, on la sent bien. Ah ben oui. On va essayer de le rouler. Alors, je peux essayer comme ça. Et là, j'appuie légèrement. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous défaites le papier, vous le reculez. Le papier. Et là, vous serrez avec vos doigts. Ah, avec les doigts. Pour faire. D'accord. Vers l'arrière. D'accord. Et après, on continue. Et toujours avec le papier pour bah le ouais, coup. Moi, je fais toujours comme ça. Ah ouais, c'est vrai, ça marche. Oh là là, c'est mon premier gâteau roulé réussi. Oh, c'est beau. Le sucré, que ce soit bien blanc. Alors, bien blanc, bien blanc. Très bien. Pour réaliser un brad gitan pour 8 personnes, nous avons besoin de 3 œufs entiers et 2 jaunes, 125 g de sucre, 60 g de farine et 60 g de fécule, une cuillerée à soupe de vanille liquide, 1 demi-litre de lait, 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 20 g de farine, 30 g d'amidon, une gousse de vanille et un peu de chartreuse si vous voulez. Et pour la touche finale, on marque le gâteau au fer. Allez. Alors, donc là vous avez mis... Ah oui, c'est juste une brochette en voilà, fer. Voilà, on va juste le marquer. Que vous avez mise sur le feu. Ouais. Ah oui, ça marche. En fait, ça caramélise le sucre. Ouais. C'est vrai que c'est joli, hein. On ne pense pas à faire ça sur les gâteaux. Bon, bon, on va peut-être s'en couper une petite tranche, on l'a mérité quand même. Tout à fait. Eh bien alors, allons-y. Eh bien, je vais aller quand même chercher mon épouse, parce qu'elle adore ça. Elle adore le bras de gitan. Elle vous laisse travailler, puis comme ça, elle arrive pour la dégustation. Allez, Maline. Bonjour, vous êtes Ghislaine. Ghislaine. Eh bien, moi, c'est Julie. Enchantée. Vous en avez de la chance d'avoir un mari pâtissier comme ça à domicile. Je le reconnais. Oh là 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 là. C'est joli, non ? Oui, 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 très bien. C'est surprenant de voir ce gâteau comme ça marqué au fer rouge. Oui. J'ai jamais vu ça ailleurs. Mais cela dit, un des desserts les plus connus de la Catalogne, que ce soit sud ou nord, c'est la crème catalane, la crème brûlée. C'est un petit peu la même idée, on brûle le sucre. Voilà, on brûle le sucre. Oui. Et oui, ça crée un lien. Et alors, on met quoi? Un peu de vinaigre de Banyuls dessus, c'est ça? Pas de vinaigre. Je sais pas, on dirait un, vous savez, vinaigre et huile. Regardez un peu cette couleur qu'il a. Ah, c'est du Banyuls, c'est du vin? Ça, c'est un Banyuls. Alors, normalement, on boit à la régalade. Et on va la faire fonctionner. Ah, tiens, je sentais que ça lui avait donné. Je préfère que ce soit mon mari. On va essayer. Moi, je ne suis pas très douée. Voilà. Il faut avaler en même temps. Et moi, je ne suis pas très. Vous pouvez essayer, mais alors. On va prendre des risques sans filet. Voilà. Oui, on va essayer bien. Voilà. Ah, bah, il faut dire que ça coule tout doux. Tout hein. Doucement. On goûte le dessert. Allez, quand même. C'est bien beau tout ça. Voyons. Mais je suis quand même venue pour le bras de gitan. Ça va, c'est délicieux. C'est léger parce que finalement la génoise ne contient pas de beurre. La crème, il n'y a que le lait. Il n'y a que le lait. Et c'est franchement léger, c'est très bon. C'est fondant. C'est et bon. La petite touche de chartreuse, parfait. Ni plus ni moins. Ça, c'est le secret. En général, j'organise un repas à la fin de mon séjour. Mm-hmm. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là et que vous veniez bras dessus, bras dessous avec votre gitan. Le bras, voilà.
Alors, vous l'avez sans doute remarqué, à Collioure, autour de Bagnols et de la Côte Vermeille, on produit du vin. C'est une région viticole avec ses très jolies vignes en terrasse, qui sont d'ailleurs, paraît-il, parmi les plus anciennes du monde. Les Phéniciens les cultivaient déjà. Et comme partout où il y a du bon vin, il y a du bon vinaigre. Et on va rencontrer Nathalie, qui est vinaigrière, je ne sais pas si on le dit, mais enfin, voilà, on va lui poser la question, et qui fabrique ce délicieux produit qui est très prisé de toutes les plus grandes tables de France, d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Nathalie, vous êtes dans les fûts? Oui, je suis dans les fûts, oui. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y a pas de soleil? Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil du tout. Et je souriais toute seule parce que d'habitude, quand j'arrive à la vinaigrerie, j'arrose les tonneaux. Tellement ils sont secs? Parce qu'ils sont secs, là, parce qu'il fait soleil et parce qu'on a beaucoup de vent. Là, ils ont été arrosés tout seuls. Et aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Alors effectivement, il n'y a pas de vinaigre sans soleil. C'est pour ça que les fûts sont à l'extérieur. C'est pour, voilà. Et quand il fait froid, les bactéries se reposent. Vous voulez dire que ces écarts de température, finalement, sont favorables au développement du vinaigre? Complètement, complètement. Alors, première étape pour faire du vinaigre, du vin. Du bon vin. Du bon vin. Du très bon vin. J'insiste là-dessus parce que l'image du vinaigre est un peu péjorative. On dit un peu vin aigre. Voilà, on a raté le vin, on dit c'est une histoire qui tourne au vinaigre, donc c'est jamais très joli. C'est vrai. Et pourtant, on ne peut faire que du bon vinaigre avec du bon vin. Avec du bon vin. Du bon vin dans une barrique. Du bon vin dans une barrique. Vous voyez que la barrique n'est remplie qu'à moitié. Les bactéries vont travailler sur la surface du vin. Donc il faut beaucoup d'air pour pouvoir faire du vinaigre et une grande surface pour que les bactéries puissent se déposer à la surface du vin. Regardez, ça c'est la mer. Donc c'est un voile de bactéries. Vous voyez comme c'est fin, ah oui, regardez c'est comme fin. C'est joli. D'accord. Ah oui, ça c'est très bon. Et goûtez, vous allez voir parce je goûte que c'est la très mer bon. Alors oui, vous avez mangé des bactéries. C'est incroyable la couleur. C'est beau, hein? C'est d'une intensité. Ouais, c'est bon. Alors c'est là, à la fois fruité, acide, exactement. Il y a une vraie longueur en bouche, on pourrait dire, comme pour le vin. Exactement. Un vinaigre met une année en moyenne à se former dans une nouvelle barrique et environ 3 à 4 mois dans une barrique mère, à savoir une barrique déjà utilisée dans laquelle on laisse un fond de vinaigre, accélérant ainsi le processus de fabrication. Le vinaigre est ensuite prélevé du tonneau pour être placé dans des marijanes au soleil afin de permettre au produit de se patiner davantage. Certains bénéficient même d'un traitement de faveur supplémentaire. Il y a ce petit pochon dans lequel j'ai pilé de l'écorce de cannelle et des clous de girofle. Et ce petit pochon ne trempe pas. Pour le parfumer. Ah oui, et ce petit pochon ne trempe pas. Ben non, comment ça peut donner son goût? Le vinaigre chauffe au soleil, fait des vapeurs, on le voit un peu ici, d'accord, qui ne peuvent pas ressortir. Donc, ils et prennent... donc ça va humidifier du coup les aromates. Exactement. Et ça se communique au liquide. Alors, de ce fait... Mais comment vous avez découvert cette technique? Vous l'avez inventée? Je ne l'ai pas inventée, non. Je l'ai trouvée dans un vieux livre. C'est une recette qui date du XVIe siècle. Ils aromatisaient le vinaigre à l'époque comme ça. Et donc, ils disaient dans cette recette de prendre un bon vinaigre de vin. Donc, j'ai essayé avec du Bagnols. Et vous êtes la seule à faire ça? C'est assez sympa, je crois, oui. D'accord. Vous voulez sentir ce que ça donne? Ah oui, je veux bien. Allez. Ah oui, ça sent... Il y a un petit côté vin chaud, un peu. Exactement, c'est la cannelle qui fait ça. Après son passage dans les barriques, puis dans les bonbonnes, le vinaigre doit atteindre au moins 6 degrés d'alcool, minimum requis pour un vinaigre de vin. On peut ensuite le transvaser une dernière fois dans une cuve pleine, directement reliée au cabanon, où chaque bouteille est remplie et bouchée manuellement. Alors ça, c'est du vinaigre de vin rouge, le de traditionnel. De Bagnols. Ouais. Il y a le vinaigre de vin blanc. De Bagnols blanc, je sens que c'est important. Il y a le vinaigre de Bagnols. Aromatisé. Oui. Et donc c'est tout, on a 3 sortes de vinaigre. Il y en a un quatrième. Je fais également, toujours avec la base du vinaigre de Bagnols rouge, un vinaigre de Bagnols au pistil de safran. Au pistil de safran, ouais. Aromatisé au safran? Oui. Alors, le safran s'exprime dans un milieu, quand on le fait cuire ou quand on le fait chauffer, ou dans un milieu acide. Le vinaigre, c'est parfait parce pour le safran. Parce qu'on le mettrait dans de l'eau, par exemple, oui. Ça ne donnerait aucun ça goût. Ça colorerait, ouais. Mais ça ne serait pas magnifique. Il me faut surtout du vinaigre de Bagnols, de vin rouge, oui. Pour ma recette mer et montagne. D'accord. Vous connaissez cette recette? Oui. Si vous voulez bien, tout à l'heure, on va organiser un repas, justement, avec toutes les spécialités locales, dont cette recette, le mer et montagne. Avec plaisir. Vous êtes des nôtres? Avec plaisir. Ouais, c'est bien génial. Sûr. Merci, Nathalie. Au revoir. À tout à l'heure. Thank you.
Maintenant, je vais vous faire découvrir une très jolie maison qui est située juste au-dessus de Port-Vendre, qui appartient à Louis et Véronique, qui sont vignerons tous les deux. Ils font aussi chambre d'hôte. Et nous, on va y retrouver un de leurs copains qui s'appelle Jean-Pierre, qui est un passionné de cuisine et qui va nous faire découvrir un plat qui, à lui seul, résume l'identité de la région, mer et montagne. J'en sais pas plus, on va découvrir ensemble. Véritable touche-à-tout, Jean-Pierre a fait mille et un métiers, de l'informatique à la gestion en passant par la cuisine. Il est aujourd'hui un gastronome féru d'histoire et connaît sur le bout des doigts cette recette dont on retrouve des traces jusqu'au Moyen-Âge. N'oublie pas le vinaigre! Bonjour, vous êtes Jean-Pierre ? Bonjour Julie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bisous. Oh, dis donc, ça souffle chez vous. Hein. C'est extrêmement rare. Une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans. Sans blague. Ah, bah, j'ai bien choisi le moment pour On l'a bien choisi, ouais. La recette Marie Montagne est riche en ingrédients et épices que l'on n'imagine pas forcément unis dans une même assiette. La cannelle. La cannelle, oui. Dans le plat. Ah oui. La cannelle, oui. La cuisine catalane utilise des produits comme ça depuis très très longtemps. Il y a un bouquin qui est fameux, le livre de Sainte-Sauvie, qui a été écrit en 1324, je crois. Les épices, c'était vraiment la marque du Moyen-Âge. Oui, donc c'était au sortir du Moyen-Âge. Ouais. Et on utilisait la cannelle, on utilisait à l'époque, il y a des recettes que l'on a retrouvées. On utilise aussi du gingembre, ouais, on utilise pas mal de choses. Ouais. Donc acidité. Acidité et épices. Les deux. C'était la caractéristique du Moyen-Âge. C'est la picade, véritable signature de la cuisine catalane, qui va servir de liant à cette préparation. La poêle. Jean-Pierre commence pour sa picade par faire griller deux belles poignées d'amandes. Alors toi, la cuisine, c'est pas ton métier, mais c'est ta passion. Oh, moi, j'aime beaucoup la cuisine traditionnelle, ce que l'on hérite un petit peu de la famille, des amis, du coin. Qui évoque les souvenirs, quoi. Oui. C'est oui. ça. Donc les amandes, tu les... Et dis donc, t'as un gros mortier, mais en niveau pilon, en mange, t'es faible, hein. Je rigole, mais peut-être que ça a un vrai usage, peut-être que tu as besoin d'un petit pilon. Ben, au début, c'est vrai que c'est difficile d'écraser les amandes, donc avec ça, c'est pratiquement une par une. Donc c'est plus, en fait, c'est plus précis. Tu les écrases je pas. Je les écrase. Tu tournes, oui. C'est ça. Voilà, comme ça. Le geste, donc ça. C'est plus facile avec un petit pilon. Oui. Donc le geste, tu vois. Ouais, j'ai compris. Tu appuies et tu tournes en même temps, oui. C'est ça. Ouais. Comment tu trouves, là? Ça va. On passe ensuite au pilon, le pain et l'ail dorés à l'huile d'olive, ainsi que le persil et le chocolat noir, touche exotique qui n'est pas sans me rappeler la cuisine mexicaine. Alors ça, je dois dire que si on m'avait dit que j'allais cuisiner un plat à base de poisson, oui. de viande, de volaille, de chocolat, d'ail, d'amande, eh ben, je n'aurais pas cru. Et j'aurais eu tort. Bon, ben voilà. Alors le dernier ingrédient, alors là, il va falloir peut-être goûter, ben, c'est le fameux vinaigre de Nathalie. Ah, le vinaigre de Nathalie. C'est fabuleux, ça. Une cuillère à soupe. Voilà. Voilà. On goûte. Ouais. Bon, tu vois, le vinaigre, c'est juste. Hein. C'est vraiment étonnant parce que on a cette rondeur et cette amertume à la fois apportée par le chocolat. Mmh. L'acidité du vinaigre, en fait, on a toutes les saveurs. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer les morceaux de viande dans la cannelle. Toutes les viandes, y compris les joues de porc ou juste le lapin? Toutes les viandes. Tout. Ça, c'est étonnant, ça. Donc j'enrobe vraiment, quoi. Comme si je farinais une escalope de veau. Oui, tu enrobes. D'accord. Ça va être fort en cannelle, hein. Je vais prendre le plat et puis tu mettras tous les morceaux de viande dedans. D'accord. Je les mets bien à plat? Oui, ouais. Le dernier. Tac, voilà. L'idée, c'est de saisir la viande. D'enlever le côté poudreux aussi de la cannelle, j'imagine. Oui, oui, oui. Ça va faire une petite pellicule, hein. Une petite croûte. Hein. Durant ces 15 minutes de cuisson, nous préparons les calamars et détaillons la lotte que nous intégrerons plus tard à la recette avec les gambas. Tu entends? Ah, j'entends que ça chante. Allez. Oh là là, ça tombe. Dans ce qu'il reste d'huile, on va faire revenir les oignons, les oignons rincés. D'accord. Allez. J'y vais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Un peu plus quand même. En plus, là, on a les bons sucs qui sont caramélisés dans le fond de la cocotte.
Les oignons sont à peine revenus, avant d'ajouter les tomates mondées et coupées en dés et les morceaux de pied de cochon désossés, dont la texture gélatineuse permettra de lier encore davantage la sauce. Nous laissons fondre le tout sur le feu avant d'ajouter la viande. Et notre poisson, alors, on le met à quel moment ? Ça, on va laisser mijoter la viande. D'accord. Un bon moment. Et puis, on rajoutera les poissons. Tu sais, les poissons, la cuisson, elle est très rapide. Oui, bien sûr. On rajoute de l'eau ? Ah, il faut rajouter de l'eau, oui. Alors ? Allez, c'est parfait. Ça va comme ça ? Ouais. Super. Et là, tu laisses mijoter combien de et temps ? Là, on va laisser un bon 40-45 minutes. Ah, pas plus que ça ? Non. Je pensais plus, d'accord. 45 minutes. Et non ? Je prends mon carnet et je vais noter tout ça. Oui. Pour le Marie Moontagne de Jean-Pierre, voilà ce dont vous avez besoin. Un lapin, un poulet, 5 joues de porc, 2 pieds de porc, 24 gambas, 20 calamars, 2 queues de lotte. Pour la garniture aromatique, 4 oignons blancs, 6 tomates, 3 brins de thym, de la cannelle. Et pour la picade, 2 poignées d'amandes, 6 gousses d'ail, 6 branches de persil, 3 tranches de pain rassis, 6 carrés de chocolat noir, de l'huile d'olive, du vinaigre de Banyuls et une bonne poignée de copains. Les calamars, il faut les mettre dans la poêle froide, avec de l'huile froide, et on les fait saisir après. Mais je fais toujours le contraire, moi. Ben non. Je fais chauffer, moi je pensais qu'il fallait les saisir dans une poêle très très chaude. Non. Et pourquoi ? La chair reste beaucoup plus moelleuse et tendre. Oui, oui. Oui. Okay, on met tout, hein. D'accord, allez. La cuisson est fin prête lorsque la chair du calamar a blanchi et rosi. Nous saisissons alors à la poêle la lotte, détaillée en gros morceaux. Elle finira de cuire dans la marmite. Même chose pour les gambas, juste saisies à la poêle pour caraméliser et mieux exprimer leur suc. T'as intérêt à avoir des potes quand même pour cuisiner ce plat avec toi, parce que c'est long, hein, c'est fastidieux. C'est une cuisine de potes, ça. C'est une cuisine de famille. C'est une cuisine où on fait pas ça pour deux. Tu fais pas ça. C'est sûr. Ça, le soir, non, mais non seulement pour la manger, mais aussi pour la préparer. C'est ça qui est sympa, c'est de s'y mettre tous ensemble. Ben, c'est un peu notre mode de vie, nous. Ici, on se retrouve pas mal de temps avant l'heure du repas. On boit un verre, on mange quelques olives. Il y en a qui commencent à couper, on taille, on prépare. Quelqu'un va faire la picade, quelqu'un d'autre va nettoyer le poisson. Et puis, ça se passe comme ça. Ça marche comme ça. Allez. Ouh, ça sent bon. En fait, il faut remettre tout ça au feu. Tout ça et sur le feu. Et ça mijote. Là, tu laisses mijoter combien de temps ? Une demi-heure. Une demi-heure. Et la picade, elle vient vraiment avant de servir, quoi. Ah d'accord, à la toute fin. Oui. Le temps de mettre la table et nos premiers invités arrivent. À commencer par nos hôtes, Véronique et Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les propriétaires de la maison, je suis sûre. Yes. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Véronique. Merci de nous accueillir. Bonjour. Nathalie, la maître vinaigrière. Guy, le saleur d'anchois. Maria José et Gabriel, le pêcheur. Tous ont répondu présent. Et c'est grâce à la tempête qu'on vous a, sinon oui, vous seriez en voilà. Ah, au moins, il y a des choses positives. Voilà. Oh, comme c'est joli. C'est Ghislaine qui les a dressés ou c'est Marie ? Ghislaine, toujours. Et ça, c'est comment ça s'appelle alors ? Carbolade. Carbolade. Comment ça se dit les escargots ? Cargol. 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 Il y a la cagole et les cargoles. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis bien heureuse que vous soyez tous là. Ça me fait très plaisir. Et ben, vous pouvez vous installer, voilà, comme vous le sentez. C'est la meilleure place. Vous battez pas, hein ? Non, vous connaissez pas, monsieur. Alors là, les escargots, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du sel, du poivre et un petit peu de piment d'Espelette. Eh bien, on va faire passer, tiens. Attention, ça vient, on part là. Non ? Merci. Et Moi j'adore. Ah, ça fait plaisir. Allez-y. D'accord, voilà. Okay. Allez, santé. Santé. Salut, je pense ça veut dire quoi ? Salut et en bonne santé. Santé et en bonne santé. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il était français. Vous êtes tous catalans, mais ça c'est clair. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que nous on imagine que quand on vient à Perpignan. On vient en France, bah non, on vient en Catalogne. C'est grâce à un gabatch qu'on est ici tous ensemble, les Catalans. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est un gabatch ? C'est l'étranger. Ah, c'est ça. Oui, donc moi je suis 100% gabatch. Il n'y a même pas de nom pour toi. Moi je suis d'une autre planète. Ça c'est la piñata. Ça c'est la piñata. La piñate. C'est rare, hein, la piñata. Selon ce que me disait Raymond, c'était vraiment le plat des pêcheurs qu'on faisait même sur les bateaux, avec les poissons qu'on vendait pas ou qu'on vendait moins cher. Les poissons restaient aussi, tout ça. Et vous, aujourd'hui, justement, Gabriel, vous faites encore des plats sur les bateaux ? Non, de moins en moins. Moi, j'ai cuisiné un jour en Italie comme ça, un plat avec des pêcheurs, et c'était au-dessus de leur couche, là où ils dormaient.
J'ai tout renversé. Donc. Depuis, je m'arrête de cuisiner dans les bateaux. C'est pas facile, hein, quand même. Non, c'est pas facile. Non. C'est bon, là, hein, on le sent, mais c'est délicat, hein, c'est pas très marqué. C'est drôlement bon, hein, Raymond. Ça excellent. On attaque notre marimonde. Allez, on y va. Il nous reste à intégrer la picade. On peut enfin apporter la touche finale à la recette de Jean-Pierre en délayant la picade avec quelques louches de sauce avant de l'intégrer à notre marimontagne. Et vous allez essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la carcasse. Il paraît que c'est le meilleur, mais il faut aimer. Hein. De la lotte, la gambas, le calamar. Voilà. Ah, là, vous l'avez senti, la picade. La cannelle, c'est vrai qu'on la sent, ouais. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on la sent. Mais vous, il y a du chocolat. C'est vrai que dans la cuisine catalane, le lièvre au chocolat. Mais avec le... Les crustacés, comme ça, le poisson, j'avais jamais vu. C'est ce qu'on m'a dit. Eh ben, c'était somptueux, hein, vraiment. Ah ouais. Toute la mer et la montagne dans mon assiette. Ouais. Tu reviendras ? Je reviendrai juste pour vérifier s'il y a vraiment du soleil dans cette région. Et voilà le brin de gitan. Attention, attention. Alors, c'est pour le coup, c'est un des desserts les plus courants ici, les plus emblématiques. On va dire les plus populaires. Ben voilà, moi je vais quitter cette terre catalane à l'identité si forte et si fière, les couleurs de Matisse et de Rhin, les saveurs et l'accent du Sud, pour reprendre la route, retourner en France, dans la Terra Nordica, et continuer mes balades à la recherche des traditions qui font l'âme de ces régions. Soyez là pour la prochaine, salut! Je croyais que cela, là. Ah! Alors voilà, c'est ce qui arrive. Oui, Je les retourne alors. Oh la truffe! Bonjour Christine, comment ça va? Nathalie. Je ressens.